Nous allons maintenant retourner au champ de Mars où vous savez que se tient le village des enfants. Nous allons retrouver Willy, Cabu, donc Marabout de Ficelle, et en plus notre roi de la magie. Vous savez qui c'est? Gérard Majax. Et voilà, on n'a plus rien à faire, ils savent tous. Gérard Majax, vous nous entendez au champ de Mars? Oui, oui, on t'entend très bien Isabelle. Je suis arrivée très très vite au champ de Mars, au pavillon. Alors maintenant, je crois que Gérard Majax a commencé son tour. Silence, nous l'écoutons. Regarde bien. Avant de couper ce très joli ruban dans le milieu, Génia, coupe tes cheveux, Ara. Vas-y, coupe tous tes cheveux. Allez, vas-y. Tu ne veux pas? Non, hein? Coupe plutôt le ruban. Coupe le ruban, formidable. Et maintenant, on va rendre le ruban entier comme tout à l'heure. C'est possible? Souffle dessus. Souffle. Non, un petit peu moins fort. Et maintenant, compte jusqu'à 3. 1, toujours rien. 2, toujours rien. Et 3? Non, plus fort que ça, sinon c'est pas possible. Oui, regarde, solide, entier comme tout à l'heure. Tu es formidable, hein? Non, mais alors, tiens, tu vas à ta place, tu peux le garder d'ailleurs. Merci, merci. Et maintenant, tiens, viens avec nous. Toi, tu as l'air très habile, prends ces cordes en main, viens là sur le côté. On va essayer de réaliser les nœuds les plus rapides du monde avec deux cordes. Et puis, Eric, tu n'as jamais manipulé des cordes. Ça tombe bien, tu vas faire les mêmes choses que moi. Si tu ne réussis pas, c'est normal parce qu'il faut prouver qu'elles n'ont rien de spécial. Par ailleurs, ça fait moins 53 ans que je fais ce tour. Au moins. J'ai été opéré, ça ne se voit pas, je vous montrerai. Bon, alors tu fais la même chose que moi. Tu plies la corde en deux et tu tiens les deux extrémités en main gauche. Tu y es? Bien, avec la main droite, tu viens chercher le bas de la boucle comme cela. Tu plies, voilà, tu tires une extrémité, tu tires, ça ne peut pas rater, tu as le nœud. Vas-y, tire. Non, 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 vous seriez à sa place. Ce serait la même chose, c'est pour débuter maintenant. On va passer au deuxième mouvement, tu vas voir, c'est plus facile. Tiens les extrémités comme ceci entre les doigts et les paumes tournées vers les extraterrestres. Il n'y en a pas, ça tombe bien. On ne risque pas d'enlèvement. Fais cela. Avance un peu. Non. Voilà, avance. Monte de l'autre côté. Reviens au centre vers le ventre. Écarte les deux mains. Très bien, nous sommes dans la même position. Maintenant, tourne les mains vers tes amis. Parfait. Et tu laisses sortir le tout et tu as le nœud. Ça ne peut pas rater. Comment? Dorothée, elle est pire que ça, elle, alors, c'est pas très gentil. Mais de toute façon, on n'est pas de remords, parce que regarde, c'est un nœud magique et il s'en va. Maintenant, je vais te montrer le nœud qu'on appelle le nœud idiot, parce qu'il se fait tout seul. Tiens la corde comme ceci à cheval sur les deux mains. Les doigts ne bougent pas, ce sont les mains qui se rapprochent. Rapproche tes mains. Voilà, rapproche bien. Tourne légèrement. Et maintenant, tu lâches tout, lâche tout, lâche tout. Non, mais lâche tout. Lâche pour voir, lâche. Ah, mais non, pas comme ça. Regarde, regarde, non. Regarde bien, je défais le nœud, je lâche tout et le nœud revient. Vous savez ce qui se passe, les amis? Il est persuadé, Eric, que c'est ma corde qui est truquée, n'est-ce pas? Tu penses que ma corde est truquée? Ah oui. Prends-le, d'accord. Et maintenant, c'est un autre mouvement. Tiens la corde horizontalement comme cela. Tu la lances en l'air et tu la rattrapes à cheval sur la main droite. Regarde les extrémités qui se croisent. Si on les laisse faire un saut périlleux, flip-flap arrière, retour sur le côté, on obtient un nœud. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Hein. Regarde. Ce n'est pas difficile. On lance la corde, on laisse croiser les extrémités et hop, on a le nœud. Essaye. 1, 2, 4. Presque, mais c'est pas grave. Pour terminer, je vais te montrer le moyen le plus facile d'y arriver. Tu tiens la corde par les extrémités et avec la main droite, tu fais une boucle comme un lasso de cow-boy. Vas-y. Oui. Alors maintenant, laisse tomber, regarde. Non, mais rapidement, hein, rapidement. Vas-y. Bien. On laisse tomber l'extrémité gauche dans la boucle et on obtient le nœud. Vas-y. Tu vas y arriver. Presque. Non, non, mais alors, écoute, comme je vais te dire, il y a une façon finale de terminer avec une boucle en main droite, une petite boucle en main gauche, regarde, qui va rentrer dans la grande boucle. La petite boucle de la main gauche pénètre dans la grande boucle pour obtenir un nœud magique, puisque dans le dos, il disparaît. Mais tu dois savoir que si on replace les mains dans le dos, la corde, eh bien, le nœud revient. Bravo, Eric, c'était quand même très bien d'applaudir. Merci, Willy, est-ce que tu saurais en faire autant? Merci Gérard. Non, ça sûrement pas. Maintenant, Dorothée, je te laisse le soin d'inaugurer en compagnie du maire de Paris ce pavillon Antenne 2. Monsieur le maire, si vous voulez bien venir. Ainsi merci. Que le président d'Antenne 2. Vous êtes accompagné monsieur de monsieur Ulrich. Attention, laissez un petit peu de place, vous serez gentil. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur le président, bonjour. Je vais bien vous tourner, la caméra est ici. Excusez-moi.
Monsieur le maire, tout d'abord, merci pour ce superbe pavillon. Et si j'ai bien compris, vous préférez mettre des villages en ville plutôt que des villes à la campagne. Écoutez, je voudrais tout d'abord, avant d'essayer de recréer des villages dans la ville de Paris, je voudrais tout d'abord remercier Antenne 2, Récréa 2, qui est une excellente émission dont je vous félicite, pour être venu faire son émission aujourd'hui dans notre village. Alors ce village est fait simplement pendant la période des fêtes pour accueillir avec un peu de joie les enfants de Paris, ou d'ailleurs ceux qui ne sont pas de Paris et qui viendront, c'est-à-dire tous les enfants, toutes les après-midi. Je leur souhaite à toutes et à tous tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. J'espère qu'ils seront très sages, qu'ils travailleront très bien et peut-être qu'ils s'amuseront quelques instants et garderont un bon souvenir de notre village ici à Paris. Merci, merci monsieur le maire. Merci monsieur le maire. Et bonne visite puisque je crois que vous allez inaugurer tout le reste de ce village. Merci. Merci. Merci de votre pays. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Willy. Oui. La parole est à toi. C'est marabout de ficelle peut-être. Marabout de ficelle. On va peut-être. Attends. Attention les petits enfants. Willy. Willy, bon, tu alors, m'excuses, je vais te quitter quelques instants. Moi, oui, je tu pars, quittes le village. Je quitte le village. Ça ne te plaît pas ici. Ah si, j'aime beaucoup, mais je crois qu'on m'attend aussi quand même sur le studio 4. Oui, c'est vrai. À tout à l'heure. C'est vrai. Alors, pendant que Dorothée regagne le studio 4, pendant que le président d'Antenne 2 et monsieur le maire de Paris essayent de fendre la foule, parce qu'inutile de vous dire que sur ce pavillon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu venir aujourd'hui, je vous invite à venir demain. Vous savez, ça ouvre à 3h, je vous le rappelle. Et là, effectivement, vous verrez plein de numéros sur ce podium. Dont mon ami Cabu, d'ailleurs, que vous allez voir dans un instant. Cabu, où est-il? Monsieur Cabu, il doit être pas loin. Il s'est fait disparaître. Attention, les enfants, n'avancez pas trop. Là, voilà, monsieur Cabu. Bon, alors. Ah oui? Bon, attends, laisse-le là, parce que ce pauvre. Voilà, tu restes là. Alors, où sommes-nous? Nous sommes là. On essaye de récupérer un peu de temps dans cette panique, mais c'est une panique bien sympathique. Vous savez, l'inauguration d'un village, après tout, je crois que c'est toujours comme ça que ça devrait se passer. Alors, dans notre village, dans notre pavillon, je vous rappelle tout à l'heure que l'histoire, si tu te pousses Cabu, on peut rappeler. Regardons le premier dessin. Non, c'est celui qui est juste à gauche. Un petit peu à gauche. L'autre un peu avant. Voilà. Tiens, viens à côté de moi. Viens à côté de moi. Voilà. Ce dessin, c'était le thème de départ que je vous proposais. Je vous avais demandé... à partir de cette idée, à savoir Duduche est très jaloux parce qu'il y a un très beau monsieur en rubané qui va inviter la fille du proviseur. Je vous avais demandé, et j'ai demandé à Johanna, si beaucoup d'enfants ont appelé et après tout, quelles ont été leurs idées. Johanna ? Allô ? SVP ? Winnie, tu m'entends ? Oui, beaucoup d'idées, bon. Je crois, pour notre Duduche amoureux. Ah, beaucoup d'idées, il se passionne pour les histoires amoureuses de Duduche. Oui. Bon, alors, il faut dire que non seulement vous avez appelé à SVP, mais nous avons ici un grand nombre de garçons et de filles qui ont eu des idées. Alors, il y a un de mes camarades à côté, là, un petit garçon, qui a eu une idée. Alors, c'était quoi ton idée ? On l'a réalisé en dessin, regarde. Voilà, alors, c'est Duduche qui est très jaloux du polytechnicien. Eh oui. Et il a une casquette, le polytechnicien, avec oui. des galons. Et alors ? Alors Duduche, il s'habille en polytechnicien avec beaucoup de médailles et beaucoup de galons. Et tu crois que ça va s'arranger ? Bon, alors ça c'était ta solution, tu vas rejoindre tes camarades. Nous on va vous proposer celle que vous avez téléphonée. Alors au téléphone c'était ceci. Deuxième dessin, nous le regardons ensemble. Alors on voit le polytechnicien qui descend avec la fille du proviseur. Et Duduche se dit, mais monsieur, il y en a un de nous deux qui est trop ici. Alors, le polytechnicien répond, non, moi je me bats qu'à coup de racine carrée, jeune homme. Hein. Alors, troisième dessin, je ne sais pas si on lit le texte, mais je vais vous le lire si vous ne le lisez pas. Troisième dessin, pendant que le polytechnicien et le petit Duduche essayent d'en découdre, alors la fille du proviseur est impatiente pour son réveillon, elle dit, moi je préfère le passer après tout avec Juju le motard. Alors, où il est Juju le motard, monsieur Cabu ? Il arrive. Voilà, Juju le motard. Et qu'est-ce qu'elle dit, la fille du proviseur ? C'est avec lui que je danse le mieux le disco. Ouais ! Et voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire. Ça, c'est ce que vous avez inventé aujourd'hui. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous aussi qui êtes sur ce pavillon. Je reprends ma place. Et maintenant, nous allons retourner sur le plateau 4, où nous attendent tous nos amis. Alors, je tiens à vous dire que Dorothée est vite partie avec une sorte de fusée. Et elle sera là-bas dans quelques instants. Mais tout de suite, nous allons rejoindre, je suppose que c'est Isabelle. Et
non, ça n'est pas Isabelle, c'est moi. Ici, nous sommes sur ce Studio 4, mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous, au cœur de ce village en plein Paris.